Soldats, la lutte militant, c'est à nous les reines nous morcer. Soldats, la lutte militant, c'est à nous les reines nous morcer. Combien cyclone pour venir, pas les de la tête à le baisser. Combien cyclone pour venir, pas les de la tête à le baisser. Soldats, la lutte militant, c'est à nous les reines nous morcer. Soldats, la lutte militant, c'est à nous les reines nous morcer. Combien cyclone pour venir, pas les de la tête. À la messe du nom des élus, qui, après la mort de ses servants, décident de bouger sa cette effet en nom d'un siège du conseiller. Yeah,
La motion étant secondée par Sani Maras Mahmoud. Et je déclare donc au Sénat élu lors de la COVID pour la période se terminant. Notre engagement est de transformer conduite pour refléter une vraie ville moderne. Parmi nos priorités, citons les projets qui s'étaleront sur toute la durée de notre mandat de 6 ans. La première, une réforme totale du service de la voirie, programme coordonné de nettoyage sur une base régulière et mesures contre les pollueurs. Assurer la distribution d'une poubelle à chaque famille. Reprendre la construction des complexes polyvalents et aussi réhabiliter les terrains déchets existants en les dotant des facilités d'éclairage. Rénovation complète et assainissement du marché central. Construction des structures avec toutes les facilités pour reloger les logements ambulants. Après un temps de parcours de santé et de porte de loisirs en plein air et simplifier le droit des PME. À la lumière de ce programme, il est clair que dans plusieurs cas, c'est juste les mêmes Mauriciens qui en bénéficieront. D'abord, l'esprit des autres qui bonne volonté et la tête bien remplie avec un projet, il n'y pas suffit. Il n'y pas suffit nos personnalités, un politicien ou si vous payez un soutien aux propres familles, ou bien camarades et activistes de vos partis. Mais malgré tout cela, laisse-moi exprimer ouvertement et solennellement vos gratitudes et reconnaissance envers une et unique personne, sans qui tous efforts déployés partent trop facile pour mon recouvrement de la communauté. Mes camarades, me demande pour associer ceux avec moi pour rendre un grand hommage ici à l'idée de l'opposition, Paul Raymond Béron. J'invite une proposition. Monsieur le Président, je propose Madame Dorine Tchakori pour être mon adjointe. Ouais! La motion est secondée par Laurent. Donc, Dorine Tchakori, élu adjoint pour le maire de Pauvry. Par ici. Mes collègues conseillers, je remercie les dirigeants de l'IME et plus particulièrement ton leader, Paul Vérandré. Aujourd'hui est un jour historique parce que, après 7 ans, nous reprenons le contrôle de la municipalité. La municipalité de Pauvry, appelée affectueusement la Casse Noire. Merci. Allez.
Il y a quelque chose avec ce qui s'est passé, l'élection village et l'élection municipale, vous pensez qu'il y a un signal fort pour les prochaines législatives? Mais plus qu'un signal fort, c'est un dimanche de changement qui finit tapé dans la région rurale, qui tapé dans la région urbaine, et qui dans des ans et demi, au plus tard, dans des ans et demi, mais s'il n'est pas venu avant, il vous taper dans le territoire. Donc, vous confiez en l'animation. Elle va paraître beaucoup convaincu qui plus dimanche, commence à un niveau d'hier, nous donner une correction dans la ville, nous prenons un tsunami plus dimanche en ce qui s'en est. Merci beaucoup.